Nous revoici pour la jolie collection Scrap Boys Archivalia. Alors, elle fait 190 grammes, du 30,5 par 30,5, soit 12 pouces. Et nous avons 12 doubles pages. Donc, on va regarder ça ensemble. J'ai l'impression que c'est assez vintage et du coup, très très intéressant. Alors, les amatrices de junk vont pouvoir se régaler, d'autant plus que il y a peut-être une partie du papier qu'on peut utiliser pour quelque chose de masculin. Donc, on a ici plein de belles étiquettes. Alors là, voilà. En bonus, ici, on a... Oh, c'est joli. Alors là, ça fait un peu les journaux d'autrefois avec la mode, la couture, tout ça. Donc là, c'est plutôt féminin. Mais à l'arrière, on a toutes ces, toute cette correspondance qui peut, elle, être utilisée pour quelque chose de masculin. Alors, on a deux fois les mêmes pages. Ici, on a... Voilà, ça, ça peut servir pour quelque chose de masculin, par exemple. Donc, on a, pareil, des choses... publicitaire comme ça, des articles de journaux, la clé à molette là. Et à l'arrière des fonds un peu saumonnés. Donc c'est bien parce qu'il y a un côté, j'allais dire féminin, et un côté masculin. Donc vous pouvez vraiment utiliser pour faire quelque chose de mixte. Ici on a pareil façon annuaire d'autrefois. Ensuite nous avons là en noir et blanc. Pareil, des articles d'accessoires, de tout. Horloge, bateau, bâtiment, des encres. Et ici, du journal, pareil. Et pour finir, on a deux pages. Ah non, c'est pas fini. Donc, on a cette page avec ses cartes. Hop là. Et à l'arrière, on a un fond de papier imprimé. Sur celle-ci, vous avez des petits carreaux. Donc ça, c'est bien aussi pour le côté masculin. Et plein d'étiquettes jolies, jolies, jolies à découper. Alors, si vous voulez faire un album avec, vous pouvez aussi utiliser les cartes de chez Piatek, P13, dans le rayon P13. Vous avez... En nouveauté, un bloc comme ça de cartes postales anciennes. Elle se présente comme ceci et vous avez différents modèles. Voilà, donc ça c'est un bloc que de cartes postales et il y en a 24 dedans et elles font 10 par 15. Voilà, vous avez 6 feuilles de 4 motifs différents pour ceci. Pensez à utiliser les ferrailles de chez Timolz que vous avez dans le rayon des ferrailles sur ma boutique. Comme ces petites plaques avec des chiffres, vous avez les pinces très très vieillies pour tout ce qui est correspondance, ainsi que des plumes, de jolies plumes avec marqué Memories, Notes, Journal. En fait, il y a écrit des petits textes dessus. Donc c'est vraiment pour la correspondance, c'est vraiment parfait pour aller avec ça. En passant, je voulais vous dire que j'avais reçu en réassort des pages Baby. Là, c'est d'une autre marque. J'avais les blocs il n'y a pas longtemps. Donc là, vous avez les pages à l'unité à découper en miroir aussi, donc pour les bébés. Voilà, ça c'est revenu en stock au cas où, je vous le dis. Eh bien, qu'est-ce qu'il me reste à vous présenter? Une collection de chez Piatek, je vous la montre juste après. C'est également un de mes coups de cœur que j'ai pris pour la boutique. À plus tard.